Salut tout le monde, c'est Spectrole, comment ça va? On se retrouve et bien pour un nouveau let's play sur Pokémon Let's Go et vos... Ah, on me dit à l'oreillette, c'est quoi? Pokémon Let's Go Pikachu? Non, je sais pas demander ça. En fait, je vais vous expliquer les amis. Je tenais à remercier énormément la Nintendo et la boîte com en tout cas de m'avoir offert le jeu. Et ils m'avaient demandé ma préférence sur la version. Donc il est sorti aujourd'hui les amis. Je n'ai pas de Pokémon Plus, donc je joue avec la Joy-Con. En tout cas, si cette série va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Et en gros, pour la petite anecdote, voilà, je remercie Nintendo et la boîte com. Ils m'avaient demandé justement de choisir ma version. Et j'avais dit, ouais, pas de soucis, bah, j'aimerais beaucoup une version Pokémon Let's Go Evoli. Et après, au final, on m'a donné un code. Oh, c'est super sympa et tout, et pour en faire la review pour Nintendo. Et au final, quand j'ai vu le code, j'ai vu Pikachu. Hein? J'avais dit Evoli. Non, du coup, c'est pas grave. Et un petit dédicace à Vincent et Raphaël et Karine de la boîte com, quoi. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Ah, mais donc, du coup, je vais jouer avec la Joy-Con gauche. Le son est vachement fort, donc j'avais fait quelques petits tests de son, tout ça. Ça va être un condensé au niveau de cette série, au moins pour le premier épisode, pour vous montrer un maximum de choses. Mon nom est Shed, mais les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une série Pokémon, genre une nouvelle version, tu vois. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Et ces Pokémon, vois-tu, certains adorent les chouchouter. Oh, c'est trop mignon, le petit Nidoking, Galoppa, tout ça. Pour ma part, j'ai fait de l'étude des Pokémon ma profession. Mais assez parlé de moi, dis-moi un peu plus sur toi. Bah écoute, je m'appelle Spectrolo, je suis youtubeur. Et si vous voulez me soutenir, vous laissez les petits pouces bleus, vous abonner et cliquez sur la notification. On peut changer justement donc la personnalisation, c'est vraiment super cool. Moi je vais partir en basique parce que voilà, vous voyez que je suis tout blanc et tout. Donc on va partir sur ça. Et comment t'appelles-tu, Spectrolo? Oh, il est trop mignon, Pikachu! Je le déteste! Ah oui, du coup, ça, c'est le nouveau rival que j'avais pu tester en juin en avant-première. Et je remercie encore Nintendo et la boîte com qui m'avaient invité. Et j'avais pu tester toutes sortes de jeux et tout ça. Et c'était vachement cool. Dont aussi Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli avec la Pokéball Plus. Et j'ai aussi testé... c'était où? C'était où? C'était à Paris Games Week justement, où j'ai pu encore le retester et c'était vraiment super cool. Et du coup, le rival, je sais pas comment je vais l'appeler, je vais l'appeler Random. Random, tu dis? Ouais, il s'appelle Random. Voilà, je suis content, hein. Une personne qui s'appelle Random. Je sais pas comment j'aurais pu l'appeler autrement en vrai, mais oui, c'est bien Random. Oh, t'es trop mignon! Je te déteste. Non mais, en fait, je vous explique, quand j'étais petit, je regardais vraiment tout le temps les VHS, les trois cassettes à chaque fois. Et au bout d'un moment, Pikachu, bah, je le connaissais par cœur. Et à force de le regarder, bah, il m'insupporte. Voilà, tout simplement. Et Evoli est tellement mignon, tu vois. Mais, tant pis, c'est comme ça, on va chouchouter Pikachu à la place. C'est qu'on peut mettre des casquettes, on peut customiser un petit peu le dresseur et tout, donc c'est vachement cool. Très très beau pour de la Nintendo Switch quand même, hein, comme on avait pu le voir dans le teaser à l'époque, c'est vraiment super cool. Il y avait des youtubeurs qui avaient pu le tester aussi en avant-première, donc c'était à Los Angeles. Oh là 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 là. C'est un petit peu mon cadeau de Noël, tu vois ce que je veux dire. Yo, c'est moi! T'es debout, Spectrolo, je monte! Qu'est-ce que tu veux, toi? Salut! Salut. T'as oublié ou quoi? Aujourd'hui, on doit aller voir le professeur Shen pour recevoir nos Pokémon. C'est le grand jour. On va enfin devenir dresseur. Ah, au fait. Oh, regardez. La petite référence Ectoplasma vs Nidorino. Je sais pas si t'as vu, mais je t'ai envoyé un email hier. Jette-y un oeil avant de partir. Très, très bien. Et en plus, il faut pas que j'oublie d'envoyer le retour mail à Nintendo quand la vidéo est sortie aussi. Je fonce, je t'attends chez le professeur Shen. Ok, très très bien. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Oh, c'est beau. Imaginez des graphismes encore mieux sur la 8ème génération ou le futur remake de la 4G qu'on en parle tout le temps. Mais tu peux pas sortir genre ce remake là plus un autre remake, c'est pas possible. Donc il y aura une 8ème génération. J'ai très très hâte de voir. Il y a des très très bons, des très très belles choses qui vont arriver justement déjà dans Let's Go parce que je me suis un petit peu informé. J'ai regardé que deux trailers, pas plus pour pas trop me spoiler. Oh, le professeur Shen, comme rouge, bleu, jaune. Merci, brave petit Roucoul. J'ai encore appris de nouvelles choses sur vous, c'est fou, la vie n'est que découverte. Ah, ils s'envolent les petits roucoules. Tiens, Spectrolo, quel bon vent t'amène. Ah non, je sais pas comment ça va se passer pour la rencontre de Pikachu et tout. Ah, je dois vous donner des Pokémon à Random et toi. Allez, viens à mon labo, mon jeune ami. Ah, ça y est.
comme dans Pokémon Jaune. Ah, c'est stylé. Oui, je t'aime pas. Ah, il est quand même mignon. Oh! On va essayer de l'attraper, genre avec les Pokémon et tout. Un Pikachu sauvage apparaît. Un Pikachu, ils sont vraiment rares par ici. Profite donc de cette occasion pour t'entraîner à la capture de Pokémon. Pour l'attraper, lance une Pokéball, un petit peu comme Pokémon Go, vous connaissez, sauf que c'est un peu plus simplifié. Donc, lancer avec la Joy-Con, très très bien. Donc là, c'est le tutoriel, donc je pense que je vais le passer. Oh, excellent! Excellent, mon gars! 1, 2, 3, slick! Yes! J'ai capturé Pikachu! Ça y est, c'est mon premier Pokémon. Il faut savoir que le Pikachu et le Evoli, ils ont pas du tout les mêmes stats qu'un Pikachu Evoli classique. Ils ont des meilleures stats IV, EV et tout ça. Et surtout qu'ils vont apprendre par la suite des attaques comme double pied, comme des attaques de type eau qui se régènent comme Evoli et tout ça. C'est juste complètement ouf. Et c'est vraiment pour simplifier le jeu. Bien sûr, il y a un système aussi de multijoueur en local. Vous pouvez jouer jusqu'à deux, donc avec une seule Joy-Coin. C'est vraiment super pratique. Formidable, tu t'en sors très bien pour une première capture. Et aussi le truc que j'ai dit, c'est plus facile de capturer à deux que tout seul, bien entendu. Tu peux ramasser la Pokéball maintenant et donner un surnom à ce joli Pikachu. Je pense que je vais l'appeler Je t'aime pas. Oh! Ah bah oui, bah il va sortir de la Pokéball, hein. Incroyable, il ne tient pas en place. Je n'ai jamais vu un Loustic pareil. Les animations sont bien faites quand même. Et attends, reviens ici, petit fripon! Nous emmène où? Allez, nous emmène au labo là? Ou il fait quoi? Ah ouais, puis lui il va choisir un des trois starters trop stylés. Et puis moi je me coltine Pikachu. Professeur Shen, il n'y avait que deux Pokéballs sur la table la dernière fois que j'ai regardé et maintenant il y en a trois. Comment ça se fait? C'est normal, Spectrolo vient de capturer un petit Pikachu. Il est dans la troisième Pokéball. Sérieux? Spectrolo fait ça tout seul? Oh là 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 là. Ah oui, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas les trois starters. Okay. Mais ça veut dire qu'ils vont prendre quoi comme. Il va prendre quoi comme starter du coup? Ouah, ça a bougé! Ah, c'est marrant, tiens! Spectrolo, l'heure est venue de choisir une Pokéball. Saisis-toi de ton destin. Ah, moi, j'ai envie de prendre lui, mais je pourrais pas, tu vois. Il va dire, eh non, j'ai pas trop envie. Tu vois, t'es obligé de prendre Pikachu. Ça serait trop bizarre, tu vois. Sinon, bah, ce serait Pokémon Let's Go Bulbizarre, bizarre, Carapuce ou Zalamèche, tu vois. Oh là là, c'est stylé quand même. Ça, je crois qu'il y avait un trailer comme ça, et au moment quand j'ai vu ça, j'ai arrêté pour pas me spoil. Ouh, t'es mignon, toi. Ouh, t'es mignon. Je deviens gaga, en fait, même si c'est Pikachu. Oh, t'es pas mignon. Si, si, il est mignon, il est mignon. Il est mignon comme quand j'étais gosse. Pikachu est désormais votre Pokémon. Comment on va l'appeler? J'en ai aucune idée. Dis donc, il est pas banal ce petit Pikachu. Il a l'air vraiment très attaché à toi. Tu veux lui donner un surnom? Ouais. Je vais te donner un beau surnom. Tu vas être trop content. Je vais t'appeler Je t'aime pas. Le pauvre. Vous allez me dire dans les commentaires, mais qu'est-ce qu'il est méchant, Spectrolo? Il n'aime pas Pikachu. Mais que t'as dit, quand tu le vois tellement quand t'es gosse, au bout d'un moment, il t'insupporte à faire Pika, 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 Pikachu, comme ça. Prof, je vais prendre celui-là, moi. Ah, il a obtenu Evoli. Ah, d'accord, c'est vraiment comme jaune en fait. Ok. Et là, on va faire un combat. Ah oui, ça c'est bon. J'espère ne pas perdre quand même. Plus j'ai pas de potion. Un instant, maintenant que vous êtes de jeunes dresseurs, j'ai une faveur à vous demander. Et pour cela, je dois vous donner une chose bien utile. Ah bah le Pokédex, bien entendu. Des petites Pokéballs, tout ça, tout ça. Et regardez les petits ratatas, tout ça. Faut vraiment regarder chaque détail. Moi, je vais prendre mon temps et tout, même si bah la série va être un petit peu condensée, mais je vais prendre mon temps vraiment à faire le 100% de ce jeu. Et j'espère on fera du Shiny Hunting parce qu'il y a une nouvelle mécanique de chasse et tout ça. Il y a trop de trucs. C'est un petit bijou que j'ai mis au point moi-même. Je vous présente le Pokédex. Il enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie high-tech. Spectrolo random, et voici un pour chacun. Et voilà, on a reçu Pokédex. Attention, par contre, il ne suffit pas de voir un Pokémon pour automatiquement tout connaître à son sujet. Il faut réussir à l'attraper, hein. J'ai toujours rêvé de créer un guide recensant les Pokémon du monde entier. Mais pour être honnête, je n'ai plus âge pour ça. Alors, je compte sur vous pour reprendre un flambeau et réaliser mon rêve. Allez, roulez jeunesse, que la grande quête des Pokémon commence. Un Pokédex, ça me parle. Rencontrer un max de Pokémon, c'est exactement ce que je veux, tu vois. Je suis un petit peu comme le Régis, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, c'est pas Régis, ça doit être un dresseur un petit peu plus passif, on va dire. Est-ce que je peux avoir un petit peu des Pokéballs et tout ça?
ou c'est pas encore le cas, il faut aller dans une boutique Pokémon, je sais plus. En vrai, je m'en rappelle vraiment plus des versions Rouge Bleu, ça fait super longtemps et tout, quoi. Et je crois qu'on va avoir les chaussures de course ou un truc comme ça. Oh, mais qu'il est trop mignon! C'est le professeur qui te l'a donné? Pika, pika! Quoi? Tu l'as attrapé tout seul, comme un grand? Mais c'est merveilleux, bravo! Et c'est quoi son petit nom? Je t'aime pas? Enchanté, je t'aime pas! Je suis un gamin. Eh ben, il a de l'énergie à revendre, ce petit! Donc ça y est, vous partez à l'aventure, tous les deux! Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut! Ah oui, c'est vrai, la carte. La carte, on va pas regarder pour le moment, hein. Je sais qu'on peut renommer les Pokémon directement, on peut stocker les Pokémon dans, dans notre sac, et ça, c'est vraiment super utile. Et c'est vraiment des petits gadgets qu'ils ont ajoutés, tu vois, qui sont vachement cool. Là, on a les Pokémon qui apparaissent, donc on n'a plus besoin d'aller dans les eaux termes pour essayer de choper des Pokémon. Là, on va essayer d'affronter un Chirokul, voilà, un Chirokul comme à l'ancienne, tout ça. Alors. Là, c'est un système de PC, c'est pas un système de niveau 1 à niveau 100, c'est comme Pokémon Go. Donc là, on a 50 Pokéballs, wow! Donc là, en fait, on n'affronte pas le Pokémon directement, c'est plus dans les combats de dresseurs où on va affronter les boss comme les légendaires, où on aura 5 minutes, apparemment, je dis bien entre parenthèses, pour capturer Articuno, Elector, Sulfura. Et on est parti. Ok, très très bien, on va lancer un petit peu plus haut. Ah, attends. On va recommencer. Ah oui, c'est vrai qu'il faut appuyer sur le bouton, sinon ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai pas eu d'excellent, donc peut-être qu'il va sortir, je ne sais pas. 1, 2, 3. Yes! C'est bon, j'ai récupéré Rukul. Et vu qu'il y a le multi-ex directement implémenté, eh bien c'est comme ça que vous allez gagner des niveaux et tout ça. En plus, on gagne des points d'expérience, donc c'est vraiment super cool. Comme un petit peu avec XY à l'époque, je crois bien. C'est à partir de là, quand on commençait à capturer un Pokémon, on gagnait de l'XP avec toute notre team. Et ça, c'était vraiment super sympa. Après, c'est sûr que ça peut simplifier le truc. Ouais, un peu. Oh, un dresseur! T'es un dresseur ou t'es pas un dresseur? Combat! Non, il va me donner une potion. Oh, qu'est-ce qu'il veut, Pikachu, là? Peut-être un truc? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est les objets invisibles, je crois. Attends, quoi? Bah oui, il y a un truc, non? Je comprends pas, j'appuie sur le bouton, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'objet. Je sais pas, il n'y a rien apparemment. Je sais pas ce qu'il fait, Pikachu. Qu'est-ce qu'il veut? Allô, Pikachu? Il est où, mon Pikachu? Je sais pas du tout où il est, il s'est perdu dans la nature. Je me suis trompé de bouton par contre là. Voilà. Non, bah, Pikachu, on l'a perdu. Oh, c'est stylé, Jadiel! Pff. Ah ouais, pas mal, hein. Ah, pas mal du tout. Oh, j'ai hâte. Normalement, on a une CT, je sais plus, des vos rêves ou truc comme ça. Je crois que c'est lui qui donne des vos rêves parce qu'il faut justement couper les arbres. Et il me semble que Surf, c'est en CT et plus en CS. Et pareil pour Coupe, les CS, je crois qu'ils ont été enlevés ou truc comme ça, je sais plus trop. Ou alors c'était venu des CT. Tiens, il veut quoi, lui? Hé, tu viens de Bourg-Palette? Tu connais Professeur Chen? Tu devrais lui apporter un truc, mais je suis débordé. Est-ce que tu pourrais me dépanner et lui livrer ceci à ma place? Pas de souci. On va faire une petite ellipse, comme je l'ai dit, parce que c'est un peu comme rouge, bleu, jaune pour le moment. Et après, on va un petit peu observer Jadiel. J'ai cru voir quelqu'un, mais je suis pas sûr. Vous voulez voir aller directement? Oh bah ouais, en fait, pas besoin d'ellipse, c'est génial pour les youtubeurs. C'est trop bien. Tu vois, c'est des petits gadgets comme ça, genre tu peux skipper aussi les cinématiques. Par exemple, si voilà, t'as fait le jeu 5-6 fois, t'as pas envie de te coltiner tout le temps les cinématiques, là tu peux les skipper, tu vois, c'est un peu comme Yo-Kai Watch sur 3DS, premier opus de Yo-Kai Watch, tu peux skipper les cinématiques, ça c'est super, quoi. Oh, je t'aime pas, tu vas bien? Comment? Tu as quelque chose pour moi? Vous donnez le collier au professeur Chen. Oh mais oui, c'est ma commande. Merci, c'est gentil de me l'avoir apporté. Ah mince, je me suis trompé de bouton. Professeur, vous ne devinerez jamais ce que mon Evoli a. Tu veux faire un combat, toi? Comment t'as fait pour que ton Pikachu monte sur toi? C'est trop stylé! C'est ton papy, random! J'ai une chose à vous donner, tous les deux. Des Beflambi. Et Beflambi, c'est quand même un peu Pokémon Go, où tu peux capturer les Pokémon plus facilement quand tu le donnes à manger, en fait. Ça a l'air bon! Ne fais pas l'idiot, c'est pour les Pokémon, pas pour les humains. Oh, la punchline, il est trop chaud! Il est trop chaud, le professeur Chen! Ah bon, sérieux, dans ce cas, je vais m'abstenir d'en manger.
Les enfants, sachez qu'il n'y a pas de recette toute faite pour devenir dresseur. Certains se piquent de capturer un maximum de Pokémon. Et c'est ce qu'on va faire à travers justement cette série. Parce que sinon, on pourra pas capturer le chef, Mewtwo, tu vois. D'autres préfèrent se concentrer sur le perfectionnement d'une poignée entre eux. Tout est possible, n'écoutez que votre cœur et surtout, amusez-vous. T'inquiète. Je peux t'affronter ou c'est compliqué? Non, pour le moment, il... Ah, ah, ah! Hey! Tu sais, il n'y a pas que la capture dans la vie. Il y a aussi les combats entre dresseurs. Attends, je vais te montrer comment ça se passe. En garde! J'ai pas XP, hein, par contre. Hein, Je pense que je vais peut-être galérer. Mais vu que le Pikachu, il est plus complet qu'un Pikachu classique, tu vois, ça passe, normalement. Oh, mais c'est lui que je voulais! Nintendo me dit, let's go, Pikachu! Regarde, j'aurais pu chouchouter et tout. Allez, c'est parti. On va l'attaquer avec... avec quoi? Un petit éclair, voilà. Peut-être qu'on va faire un coup critique pour ouvrir les hostilités. On va voir. Il est niveau 6, hein, quand même. Oh, il a pris cher. Le charge sur le Pikachu, combien va faire de dégâts? Il fait mal aussi, hein, le Evoli, hein. Ça se voit qu'il est entraîné un petit peu, hein. Juste un niveau de moins. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que je perde, hein. J'ai pas trop envie que ça arrive. Je sais pas s'il y a 9. Est-ce que je peux utiliser genre une potion ou un truc comme ça? J'ai pas l'impression que j'ai une potion. Donc là, ça va être un peu compliqué. On va utiliser éclair. J'espère que ça va faire un coup critique parce que sinon je perds au premier dresseur. C'est un peu chaud. Premier rival plutôt. Il fait rugissement, il baisse son attaque. Mais vu que moi je suis en attaque spé, du coup normalement si je suis plus rapide, je le défonce. Attends, c'est parti, moment de vérité. Allez, le petit éclair, est-ce que ça passe? Allez, éclair, vu que c'est spé. Yes! C'est bon, je suis pas mort. Désolé, Evoli. Et on gagne 32 points d'XP. Ok. Et on n'a même pas réussi à monter niveau, en fin de compte. Hein. Comme quoi, il faudra vraiment capturer des Pokémon pour vraiment augmenter son XP. Et dire que je croyais t'apprendre des trucs. J'aurais dû m'entraîner un peu avec mon Pokémon plutôt que te tenter à l'arrache. Bon, allez, je file, j'ai plein de Pokémon à capturer, mais j'ai hâte qu'on remette ça. Spectrolo, c'était ton premier combat, non? Ça lui est une véritable aventure pour ton Pikachu aussi. Oh, ça fait pas... Vous savez, ça fait longtemps que je suis un petit peu dresseur. J'ai fait toutes les générations, les speed-off, les rangers, les engins mystères. Ça va, je suis un bon dresseur. Bourre palette. Hé, hey, Spectrolo! Oh, avec Pikachu perché sur toi, on voit direct que vous êtes déjà complice. Dans ce cas, ça tombe bien, j'ai pitch ce qu'il vous faut. Une tenue Rolex. Tiens, ça c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a des costumes, comme je dis, parce qu'on peut customiser justement le dresseur et le Pokémon. Mais c'est que Evoli et Pikachu, hein, c'est pas genre d'autres Pokémon. Il y a aussi des montures qui reviennent et tout ça. On peut monter à deux Dracaufeu pour voler. On a Onyx pour aller en l'air et tout. Il y a trop de trucs sympas. Oh, bah je vais te donner un petit truc à manger parce que t'as bien joué. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oh, je suis désolé, Pikachu. Ton Pikachu a envie de jouer, on dirait. N'oublie pas de le chuchoter de temps en temps. Je suis confus. Ouais, je sais, je suis confus. J'ai oublié de te chouchouter. On verra ça pour le prochain épisode. Le pauvre, il se fait même pas respecter. Est-ce que vraiment vous kiffez plus? Vous préférez quoi? Pikachu ou Evoli? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que... Quoi? T'es qui, toi? Ah, parce que je peux jouer à deux directement? Ah ouais, mais c'est pas... Moi, je veux pas faire ça. Moi, je jouais juste avec une Joy-Con. Hein. Je sais pas pourquoi la pop de nulle part. Ah oui, vu qu'on peut jouer directement sans passer par un autre Switch. C'est vrai que c'est assez pratique. Ah ouais, et là on va racketter un gamin avec deux Pokémon, ça veut dire... Attends, non, comment on va faire vu que... Elle a un Pokémon? Oh, elle a roue cool. Ok, bah écoute, on va tabasser des gamins. Donne-moi ton argent, je vais te racketter. C'est ça que je disais, que ça simplifie énormément le truc. Là, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc en vrai, voilà... C'est un petit peu de ma faute, mais au moins ça vous montre un petit peu le système multijoueur en local, qui ne peut pas se jouer en online, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. On sait que dans les combats stratégiques, le truc c'est que on n'aura pas d'objets, donc c'est très bizarre parce qu'on a les méga évolutions qui sont dans le jeu. On peut les acheter après à la ligue Pokémon. Il y a quoi d'autre aussi, donc on peut pas équiper d'objets, donc c'est vraiment super bizarre.
Et pour les combats stratégiques, on aura aussi les formes d'Alola que vous pouvez transférer via Pokémon Go à votre version Let's Go Pikachu Evoli. Et surtout, il y a un truc intéressant, si vous voulez un nouveau Pokémon que je n'aurai pas, parce qu'il faut Pokémon Go, il s'agit de Meltan, c'est un Pokémon de type, je crois, acier. Et si vous avez 400 bonbons, vous le faites évoluer et vous le transférez dans votre version Pokémon Let's Go. Comme ça, eh bien, vous pourrez avoir un nouveau Pokémon. Est-ce que c'est de la 8ème génération ou de la 7ème? Pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'ai pas trop checké l'actualité Pokémon en ce moment pour pas trop me spoiler. Et je sais pas si je vous ai spoilé de dire que justement les méga gemmes ils étaient après la Ligue Pokémon. Mais voilà, il fallait quand même que je me renseigne un petit peu du jeu, même si je me suis pas trop spoilé, au moins pour la review, hein, quand même. J'ai gagné les 3 Pokéballs, très très bien. Je peux l'enlever ou ça se passe comment? Parce que bon, ça va être compliqué sinon. Eh, hey, tiens, toi là, c'est quoi ce grand sourire? Quoi, t'as battu un autre dresseur? La classe! Ouais, on l'a tabassé à deux. En fait, t'as déjà lu le remarquer, mais pendant les combats, les Pokémon ont tendance à perdre des PV ou des PP. On va au centre Pokémon, tutoriel, ça, on va faire une petite ellipse. Voilà, on peut jouer à deux, regardez. Oh, c'est trop ouf, je suis tout seul, hein. Là, on peut raqueter des petits gamins. Y a aucun souci, hein. C'est juste... si vraiment, par exemple, il y a des Pokémon où, voilà, ils sont un petit peu difficiles, vous pouvez jouer à deux, tout seul, comme un gros gamin, et essayer de capturer des Pokémon plus facilement. Peut-être pour les shiny qui sont peut-être un peu plus durs, je ne sais pas. Mais vu qu'il y a une nouvelle mécanique de chasse, j'ai très très hâte de voir cette nouvelle mécanique de chasse. Mais voilà, on joue à deux jusqu'à la fin de l'épisode. On arrive à la forêt de Jade, et je pense qu'on va s'arrêter là pour un nouvel épisode. Oh, il y a un mystère, je veux mystère par contre avant de s'arrêter. Mystère par contre, je veux pas que tu copules avec Crisacier. Je veux juste te capturer. Yes! Bon allez, on va essayer peut-être les deux en même temps. Je sais pas comment ça se passe. Parce que ben là, j'ai pas d'amis sous la main. Alors, pour utiliser une baie, sélectionne. Donc là, on va peut-être pas lancer une baie. Il a quand même PC21, niveau 5. Donc c'est quand même pas dégueu. Alors on va faire A et A directement. Et on va lancer en même temps. Vous êtes prêts? Oh là là, regardez-moi ça, super! Normalement, je le capture, hein. Là, on est double, donc ça fait une capture un petit peu, pas critique, mais ça double un petit peu ses chances. Est-ce que ça passe? Pas besoin de Béflambi, hein. Je suis un meilleur dresseur. Je suis un peu comme Sacha, tu vois, quand il y a un Pokémon, genre, il a full vie. Lui, il fait quoi? Il lance une Pokéball, tu vois. C'est Sacha, tu vois. Sacha Ketchum, hein. On a gagné une Béflambi. Ah, donc, on gagne de l'XP. On gagne beaucoup d'XP, hein. Waouh, je t'aime pas, monte au niveau 7. Et Roucoule monte au niveau 4. Est-ce que le Roucoule on va le garder? Ça je sais pas, peut-être qu'on peut stocker dans le PC. Je dirais ça dans l'épisode numéro 2. Oh, il apprend Tornade au niveau 5? Il me semble pas. Ah, au niveau des moves peut-être ça a changé. Oh, il est stylé le Pokédex. Mystère va rejoindre votre équipe. Nice. Oh, une dresseuse. Salut. Dis, tu as un gros Pikachu? Ouais, j'ai un gros Pikachu et je l'ai appelé je t'aime pas. Allez, c'est parti, on fait ce combat et on s'arrête là dans cet épisode. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir justement eh bien, à lancer cette série. Voilà, je voulais aller jusqu'à Argentin, mais en fait, vu qu'il y a des cinématiques et tout, je pensais que ça aurait été possible, mais c'est pas si évident. Donc c'est parti, on va tabasser un petit Rattata à niveau 4. Donc on va faire tac. On va faire un petit éclair. Oh, c'est vrai qu'il a pris déjà vive attaque. Je crois que c'est puissance 40, stab B, plus justement attaque prioritaire plus 4, bien sûr. Je connais quand même un peu Pokémon, hein. Même si j'ai arrêté la stratégie Pokémon. Oh, il a pris déjà midlife. Et on va voir le Roucoule qui va taper. Et bam, ça dégage tout simplement. Et j'espère qu'on a gagné beaucoup d'XP. Comme ça, on poussera niveau. Ouais, non, niveau 16. Ouais, 16 d'XP, c'est pas assez, hein. Roucoule quand même monte au niveau 6. Est-ce qu'il a des stats un peu plus... Non, c'est les mêmes en fait. Sauf qu'il a gagné un truc d'étoile. Je sais pas du tout ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que c'est les EV. C'est possible. Ou les IV, je sais pas, je confonds les IV, EV. Je crois que c'est IV à 31. Et EV c'est 252 ou 253. Non, vraiment. 80 Poké-Dollars et je reçois 3 Pokéballs. On raquette déjà au niveau de l'argent. En plus, elle donne des objets. Hein. C'est super sympa. Mais écoutez, les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il y aura une vidéo par jour, je pense, sur Pokémon Let's Go. Et en plus, regardez, il y a un petit Chenipan qui est rouge. Ça veut dire qu'il est assez fort. Et un petit Kankoufer, un petit Crisacier. J'ai très très hâte de voir la suite. J'espère que vous aussi. Il y a un Papillusion là ou quoi? Il y a un Papillusion, on va le capturer dans l'épisode numéro 2. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, cliquer sur la notification et surtout, checker la description qui est hyper importante. Merci à tous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochain live. Salut tout le monde.